Le second miracle, le plus extraordinaire concernant Sainte Germaine, lorsqu'elle allait à la messe, elle devait traverser une rivière qui était le Courbet. À la suite de pluies importantes, le Courbet était en crue, et lorsqu'elle voulut passer cet endroit, le Courbet, enfin, elle a pu le traverser à pied sec. Le Courbet, c'était ouvert. When she went to mass every day, she passed a small river called Le Courbet, and one time she passed the river and she had the feet were clear, were dry. I mean, she walked on the water. La métairie, qui est le lieu où a vécu Sainte Germaine durant ses 21 ans, la métairie était un lieu très pauvre. Et là, dans la bergerie, elle dormait sous l'escalier, elle dormait avec ses animaux, parce que sa marâtre l'a rejetée. Saint Germain was lying, her bed was with the animals. In the stable, she didn't have the right to sleep with the other children of the house, so she was lying under the stairs in the stable. Et aujourd'hui, de nombreux pèlerins viennent à Pibrac. Ils viennent voir l'endroit où a vécu Sainte Germaine et surtout où Sainte Germaine dormait et où Sainte Germaine a beaucoup souffert également. Parce que ses souffrances, Sainte Germaine n'en parlait pas. Mais Sainte Germaine supportait avec beaucoup, beaucoup d'amour pour Dieu, pour Jésus. Elle supportait ses souffrances qui étaient atroces. Saint Germain suffered a lot, but one of the things she wanted it's to be with Jesus and to think like Jesus. So she was praying a lot, and she had a lot of love for Jesus. La métairie se trouve à environ 2 km de l'église de Pibrac, donc Sainte Germaine faisait ce chemin tous les jours, à pied bien sûr, et l'endroit était un endroit dangereux, parce que nous étions près d'une forêt qui s'appelle la forêt de Boucone, et cette forêt était infestée de loups. Et Sainte Germaine n'a jamais été attaquée. Sainte Germaine, nous le pensons, était déjà protégée. Okay, we think of Saint Germain like she was protected. She lived a little bit far from the the church. She was living far of the church. It's about a mile and a half away, so. It was very dangerous to go to mass. There was the forêt de Boucone, the Boucone forest near, and there was a lot of wolves there. So it was very dangerous to go there.